Vous entendez? Merci. Voilà. La sangle de l'ami Jacques a été présentée et courageusement présentée de façon anonyme comme des semi-professionnels au ciné-club universitaire de Lausanne grâce à Roland Cordandet qui était président du ciné-club universitaire. Je ne vous ai pas présenté ce film. Je voulais faire un peu une expérience parce que la première expérience qui a été faite, et c'était bien de la part des participants de vouloir faire des films comme les gens qui sont en dehors, parce qu'à l'hôpital, c'était le dedans et le dehors. Et ils voulaient que ce film soit présenté justement d'une manière anonyme. Mais le film souleva l'indignation générale. Était-il une provocation ? Et les auteurs restèrent jusqu'à la fin de la projection. Ils assumèrent leur œuvre et l'échec qu'elle provoqua. Et puis, à une question, on leur pose. Du moment où nous contestons dans notre film certains aspects de la société actuelle, nous vous accordons également, on s'adresse au public, le droit de contester notre film. Et dans le public, on répondit, si vous nous aviez dit que vous séjourniez à Sury, nous aurions été indulgents. Voilà, je voulais vous dire un peu les résultats de cette expérience. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes sage, parce que vous auriez pu partir aussi. Laissez vos chaises libres à un film qui, c'est vrai, il faut le reconnaître, est une provocation. Mais une provocation, esprit, où es-tu ? Et j'ouvre la conversation, vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Et j'ai le plaisir aussi de présenter quelqu'un qui parlera ou ne parlera pas. Deux personnes qui ont participé à ce film. Il y a Pierre qui est là. Il est là. C'est l'auteur du film. Il était dans le film. Et on peut lui poser la question. C'était en quelle année qu'on a tourné ce film, je ne me rappelle même plus, mais il y a une trentaine d'années, non? Il y a combien d'années qu'on a tourné ce film? C'était 63-64. Voilà. On était très contents de faire et le film que vous avez proposé, on était très heureux. Vous savez qu'à cette époque-là, les uns et les autres, des patients, on souffrait énormément, hein, ça c'est, faut bien savoir. Pour moi, ce film, c'est une réussite extraordinaire avec le recul, parce qu'à l'époque, on n'était vraiment pas bien dans sa peau. Hein. Alors, on a fait ce film-là, et puis moi, je trouve, avec le recul, je trouve que c'est une réussite. Mais c'est vrai que les premières fois où on l'a présenté, je me souviens, c'était au Bugnon, il y a une école, un collège, un université. Le ciné-club universitaire. Voilà, le ciné-club universitaire. Oh, alors là, on était. Les gens sifflaient. Et nous, on crevait la misère morale. Et les gens, ils nous ont pas accepté. C'est pour dire qu'il y a un chemin énorme qui s'est fait jusqu'à maintenant. Parce que ces maladies-là font peur. On ne sait pas ce qu'il en est maintenant des institutions comme le GRAP, etc. Et monsieur Ensemble, qui prend sa petite valise. Est-ce que je pourrais aller monter ces films? Je ne veux pas qu'on me tue non plus. Là, en tout cas, je pourrais aller. Ouais, on va essayer. Ils n'ont pas beaucoup aimé. Il faut se dire, vous se plantez à l'époque-là, et vous-même, vous avez eu beaucoup de courage et une étonnante compréhension de cette difficulté d'être. Et pour ça, ce n'est pas un film qu'il faut voir pour se distraire. C'est pas un Belmondo, moi j'adore Belmondo, mais on regarde pas ces films spécialement pour se distraire, mais plutôt pour comprendre des êtres qui souffrent. Voilà. Pierre, je vous remercie. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est là. Le micro, s'il vous plaît. J'ai pu participer à cette expérience. J'ai pu participer à cette expérience.
Je dois avouer qu'à l'époque, je n'avais pas compris grand-chose au film, mais je trouve très beau. Et on était une équipe, c'était très sympathique. Et comme l'a souligné Monsieur Ansorge, on pouvait tourner à l'extérieur, on était considérés comme des gens normaux, alors que ce n'était pas toujours le cas. Et je dois dire que j'ai oublié beaucoup de scènes que j'avais tournées, et que je revois avec étonnement et satisfaction. Et tout ça ne rajeunit pas. Et je dois dire que M. Ansorge est une personnalité très attachante parce qu'on avait un contact formidable et on a passé de très bons moments. Merci. On peut engager quelques questions. Des psychiatres qui sont là peuvent peut-être aussi témoigner. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir la parole? Est-ce que vous avez reçu ce film comme une agression? Pas du tout. Voilà. Micro. Oui, François Fleury. Moi, j'ai été très touché par ce travail poétique, en fait, qui est dans ce travail, avec il y a des fragments de l'histoire, on est emmené dans quelque chose. C'est vrai que ça me rappelle aussi tout ce travail qui se faisait à l'époque dans le cinéma suédois, dans le cinéma de sens, le cinéma très austère aussi, qui était à l'époque très compliqué. Quand je me souviens qu'on a été voir Le Silence, on se demandait qu'est-ce que c'était comme film. C'est dans les mêmes époques. Hein. Et pour moi, c'est assez important de voir aussi ce film dans une époque qui a été faite et qui représente quelque chose qui essaie de nous dire les limites. Et j'étais très touché par toute une série de limites qui nous sont proposées, qui sont les limites de la compréhension, les limites de l'intellectualisme, les limites qui étaient des grands thèmes, je trouve, à l'époque, et qui continuent à être des thèmes. Et je les trouve intéressants, comment ça a été joué avec beaucoup de, même d'humour, parfois, ces choses très, très sensibles. C'est comme ça que je ressens ce film ce soir. Merci, M. Fleury. Et j'aimerais ajouter, M. Fleury, parce que j'ai eu le plaisir aussi de constater, après toutes ces années passées, est-ce que ce type d'expérience peut être continué? Et M. Fleury est justement en train de créer une activité communautaire dont vous pourriez peut-être dire quelques mots, parce qu'elle est, elle est faite un peu à partir de cette expérience d'un hôpital, d'un asile fermé, mais lui, il a inauguré quelque chose qui est tout à fait ouvert, et je vous laisse peut-être expliquer ce qui se passe actuellement à Lausanne. Alors c'est dans le cadre du département de psychiatrie communautaire, effectivement on a ouvert un espace d'atelier où on fait aussi un atelier cinéma avec des jeunes personnes qui ont eu des souffrances psychiques dans leur vie et qui ont envie, dans un moment de fracture ou à la suite d'une fracture intérieure, de venir un moment travailler avec lui sur leur propre présentation. Donc on ne sait pas où on va, parce que chaque groupe décide de qu'est-ce qu'on va faire. Alors on fait du documentaire. Alors un documentaire qu'on a fait anciennement, c'était un documentaire sur, par exemple, sur, au fond, qu'est-ce que deviennent les médicaments quand on ne les utilise pas. Alors j'étais surpris de suivre la trace des médicaments depuis la pharmacie à qui on les redonne, mais aussi la destruction des médicaments, et découvrir qu'il y a des millions qui sont détruits chaque mois à Clidec. Et ça, c'était très intéressant d'aller avec ces patients dans cet endroit, de travailler en relation avec les espaces pour comprendre en fait que deviennent tous ces médicaments. Ça, c'est une expérience très ancienne. Mais aujourd'hui, ce que je favorise plutôt, c'est avec eux, c'est essayer de voir quelque chose qui se fait très simplement. On a six semaines à huit semaines pour faire un petit document et qui a ensuite travaillé dans l'idée d'aller le montrer à l'extérieur comme un témoignage d'une créativité poétique et qui ne se veut pas ni d'être du cinéma ni d'être de l'art de musée, mais qui est plutôt un art vivant. Et je crois que ce travail, en tout cas, nous a amené beaucoup de
moi, me passionne beaucoup, je veux dire, c'est à chaque fois une surprise. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant, c'est cette surprise, quand je démarre un groupe, de ne pas savoir très bien où on va aller, et puis en fait, d'être emmené. Alors le dernier qu'on a fait, qui a été présenté dans une exposition, c'était autour de l'Apocalypse de Saint Jean, qui s'appelait Révélation. Et en fait, on a travaillé à partir des news qui étaient dans les télévisions tout cet hiver, et c'est comme ça qu'on a créé ce film. Et puis aujourd'hui, on est parti ailleurs. Aujourd'hui, c'est le premier jour. On a décidé de rencontrer le quartier où on habite, où l'atelier se trouve, donc ça se trouve à Bellevaux. Et on va passer 3 mois peut-être à aller à la rencontre de ce quartier. Je ne sais pas ce qu'il va sortir de ça. On verra, ce sera aussi un message politique qu'on présentera à un point. Merci d'avoir donné du temps. Oui, et puis dites encore que vous avez aussi une ouverture, des rendez-vous. Auquel n'importe qui peut accéder, ça c'est aussi important de dire. Alors, donc, c'est vrai que nous avons, c'est tout un projet qui a été fait au sein du département de psychiatrie universitaire, c'est effectivement d'ouvrir un espace communautaire où les personnes intéressées se proposer de participer à ces événements. Et il y a effectivement une partie qui est plutôt liée à un art graphique, un art qui utilise la peinture, etc. Et une autre partie qui sera la rencontre dans un bistrot. Et chaque semaine, ces gens se rencontrent depuis le début qu'on a commencé ce travail. Et même des personnes se rencontrent dans un bistrot de la ville de Lausanne et continuent à parler entre eux. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait voir... Voilà, à vous. Bonjour. J'aimerais. Je connais pas votre prénom. Il a présenté Pierre, mais pas vous. Jacqueline. Alors j'aimerais dire, cher Pierre et chère Jacqueline, j'ai été très touchée par ce film. Je ne comprends pas qu'on puisse être choquée. Parce qu'on dirait presque que la réflexion qui est très profonde, elle appartient à vous, personne dite malade. Donc je me dis, est-ce qu'il faut être malade pour réfléchir aussi sainement que vous? C'est un petit peu ça que j'ai ressenti. C'est très profond. À la fois, il y a François qui a dit que ça montre des limites, que vous montrez des limites. Mais à la fois, vous les montrez, mais vous les dépassez aussi. On dirait que vous ne vous attachez pas à ces limites. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier. Je suis très touchée. C'est un film vraiment qui est très profond. Excusez-moi parce que j'ai des larmes dans les yeux. Qui montre une très grande intelligence. Et c'est là on pourrait poser une question, être ou ne pas être, exister ou ne pas exister. Je vous remercie vraiment beaucoup et à vous aussi. C'est magnifique, c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage, madame. Et nous allons peut-être continuer aussi avec des images. Et je vous raconte juste cette petite anecdote du prochain film. À la fin de la sangle, un jeune homme du groupe dit, moi j'ai un scénario. Maud, est-ce que tu pourrais prendre mon dossier avec les dessins? Et il nous apporte tout d'un coup environ une vingtaine de dessins que je laisse circuler dans ce classeur. Tu pourrais me l'apporter, je veux juste le noter. Et ce garçon explique la création du monde. Là, tu peux juste... Ce sont des dessins crayon de couleur. C'est un garçon, il ne sait pas écrire pratiquement, mais il raconte la création du monde avec des dessins en forme de mandala. Et après avoir expliqué son film au groupe, le groupe dit, bien maintenant, on va t'enregistrer pour servir de commentaire à ce film.
Et ce garçon, qui s'appelle Claude, lui, il a dit, je ne peux pas faire ça. Mais Pierre, qui était aussi dans le groupe, lui, mais moi, j'ai compris ton explication, et je vais pouvoir te l'écrire. Et Pierre a écrit pendant plusieurs samedis de suite. Je dis les samedis parce que pendant ces 19 ans, presque tous les samedis, j'allais à ces rencontres formidables. Et au bout de 2 ou 3 samedis, voilà, j'ai eu un script du texte pour illustrer ce film. Et bien, c'est ce film qu'on va voir. Donc, les dessins, c'est de l'animation pure. C'est-à-dire que tout le groupe s'est mis à découper, à décalquer d'abord tous les dessins qui sont là, puis maintenant tu peux le faire circuler. Pendant un peu plus d'une année, ces découpes ont été faites, ont été animées sous la caméra, et on peut en parler un peu plus après. Juste une petite seconde pour changer de film. Des multitudes de formes, et chacune de ces formes, toutes ces matières mélangées allaient leur propre chemin. Pourtant, même à cette époque, les choses étaient de couleur, prenaient des tons variés, et ainsi, au tout début du monde, dans la gaieté des formes et des couleurs, il y avait place pour beaucoup d'espoir. Il a suffi que quelqu'un vienne visiter toutes ces choses, ces formes et ces couleurs, pour que d'une fois, tout se rassemble en une belle harmonie. Les sentiments avant étaient bien limités en des cercles parfaits. Une fois un sentiment est parti,
et il est allé, lui seul, très loin dans le monde. Ce sentiment était plus fort que n'importe quel autre, et il brisait toutes les barrières, alors que les autres sentiments restaient bien sagement autour de leur maître. Ce sentiment, c'était l'amour. C'est la seule chose que le Créateur ne put rattraper. C'est pourquoi, tristement, il maintient les sentiments bien serrés contre lui. Le soleil redonnait vie chaque jour aux sentiments, et ceci animait la terre. Puis, les sentiments d'abord informes se dissipèrent, dégageant les pays, donnant forme aux peuples et aux civilisations. C'est ainsi que les peuples, les insectes, les oiseaux, les gens et les genres de mer se développent selon le sens de l'eau, de la terre et du ciel. Les marines ont des fleurs très rouges et elles vivent dans l'eau selon le sens de l'eau. D'autres oiseaux ont des plumes de couleur très rouge et ils aiment le ciel. D'autres humains et quelques canards ont des destins très rouges et ils habitent la Suisse centrale. Pour quelqu'un furent tout de suite des symboles de l'harmonie et de la beauté. Elles expriment la terre et n'existent que par demande. En-dessus de leur existence, il n'y a rien qu'un ciel voilé, et quand on les voit, l'on pense que le monde ne fut créé que par solution. Les montagnes sont couvertes de fleurs, et dans l'absence, l'on pense que tout fut voilé en vérité pour ne permettre qu'à peu d'âmes d'aller chercher et reconnaître les motifs, les raisons et les sens. En fait, il n'y a pas que les fleurs auxquelles on pense en vérité, mais la terre, les mers, le brouillard doux de la vie, tout nous incite à la réalité. Fleurées, bois et découvertes sont là tandis que respire la vie. Au début, il n'y avait pas rien, mais il y avait une solution, une synthèse du Créateur. Les fleurs sont bleues comme respire le parfum d'une sirène. En vérité, l'origine du monde ne concerne pas un temps passé, mais est présente dans chaque instant. La fleur de la vie et celle de la mort sont proches parentes. Auparavant, elles n'existaient pas dans l'esprit des petites choses. Elles furent créées de chaque pièce, en toute pièce, et correspondent au mouvement de la pensée. On crée ce qu'on pense, et la fleur qui a pensé s'est entourée d'illustres astres. Quand elle pense, la fleur semble tonaliser dans une même gamme de couleurs. Son effort tend à la diviser, et ainsi les astres partent d'elle et parlent d'elle à l'envi. Pour fêter ses efforts, le Créateur s'est divisé par de suprêmes efforts. Ils sont devenus nonchalants, des points de vie, de tout petits poissons. Le Créateur, qui est sensibilité, a pensé aux poissons, et ceux-ci sont venus d'eux-mêmes, car ils sont obéissants et répondent à la pensée. Ils sont nés dans l'esprit et se mettent à se multiplier, car au début, une seule chose s'est multipliée en se divisant. Les éléphants, eux, sont trop obéissants. Les trompes reliant les queues et les queues donnant accès aux pattes. Certains trouvent dans l'éléphant leur raison de vivre, comme d'autres trouvent leur raison de vivre dans la vente des machines à laver la vaisselle. Les girafes, elles, ont toujours été trop hautes et sont très spirituelles. Il devint nécessaire de corriger le cou trop haut des girafes. C'est pourquoi les canards vinrent sur terre. Ils avaient un tout petit cou très malléable qui leur permet de prendre quelques insectes, des algues et autres poissons. Ainsi, le trop long cou des girafes fut corrigé par le petit cou des canards. Il arriva seulement qu'un canard s'est cassé le bout du bec sur une pierre et qu'un autre a perdu son cou au fond d'un très grand lac. Mmh.
petits et peu résistants. Les gros hommes qui ont de très longues dents et les tortues qui n'ont pour ainsi dire pas de cou. Après, il y eut la terre tout entière. La terre avec tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait et tout ce qui se fera. Du moment où il y eut une différence, il y eut des variétés du temps, le passé, le présent et l'avenir. Cependant, le passé mérita d'être rénové, mis en œuvre, car on pense qu'il n'est pas possible d'y retoucher quelque chose, ce qui est fait est fait. Ainsi, on travaille le présent et le passé autant que l'avenir. Pris comme quelque chose d'irrémédiable, le passé s'alourdit et s'étiole. Le Créateur règne sur l'univers, il le prend entre ses bras autant qu'il peut. Il lui a donné et il a donné à la terre un sens et une direction. On peut voir la terre de près comme on peut la voir de loin. Moi, j'aime voir la terre de loin, dit le Créateur. Et puis après, il prend sa loupe et regarde d'un air distrait. Il voit deux êtres près d'un feu. Primitif, pense-t-il. Ces êtres sont courbés, mais ils ne semblent pas supporter un poids. Ils sont souples dans leur attitude. Il y a là un feu, symbole de la piété et de la hardiesse. Le feu est là et éclaire la multiplicité des volumes. Les deux êtres se penchent et regardent, ils pensent plutôt. Le soleil est mi-feu, mi-lune. Il se pose sur un dessin comme il peut se poser sur la terre. La terre, elle, reçoit indifféremment, elle supporte et peut supporter beaucoup. Le Créateur s'arrête et pense. Il faut qu'il y ait beaucoup de raisons pour être heureux. Il faut une seule qui suffira pour ressentir de la tristesse. C'est ainsi qu'il divisa la terre, les animaux, les hommes et leurs couleurs. Car la division est nécessaire à l'unité. Il y a ainsi des animaux de toutes sortes, certains qui ont les dents plus longues que d'autres, d'autres qui ont des couleurs et même un seul, la Margarita Sinfonis, qui change de couleur selon les milieux. Pour que l'homme puisse voir, il fallait qu'il y ait la diversité dans les animaux, dans les éléments. Le Créateur désire que nous fassions un choix, et il nous a donné la diversité pour nous permettre de choisir. Un éléphant lève sa trompe pour aspirer l'air pur du ciel. Dans un coin, un aigle veille sur sa propre morale. Cinq oiseaux entre deux montagnes sont fixés dans l'air depuis 10 000 ans. À chacun, il fut attribué un endroit pour vivre. Ici et là, des groupes se forment, la terre se morcelle, et ils viennent habiter des êtres de toutes sortes. Il y a toujours un lien qui unit les choses entre elles. Ce lien, c'est tout ce que nous aimerions, tout ce que nous souhaiterions. Ce lien, c'est une force à notre portée. Ce lien qui existe entre toutes choses est une merveille qui stagne dans la brume d'une ville. L'arbre s'élève et découvre la grandeur d'un attribut. L'homme se réveille d'un long songe qu'il commençait à connaître. Un cabri et puis quatre fleurs jonchent le sol. La terre, cette merveille, se frange et parle d'un air doux. Il n'y a pas encore de cheval. Il vient plus tard, est une réserve qu'il convient annoncer plus tard. Dans ce monde, il fait toujours froid, et c'est un froid intense qui nargue les choses, les passants d'une ville mal habillée. Dans ce monde, chaque chose existe en duplicata. L'homme a son double, et la femme a son double. Et le double de chacun a lui aussi son double qui est le bouffon.
Le fleur penche maintenant en geste de service, l'agneau parle aussi et tient les yeux fermés, délice de la terre féconde, en broutant gentiment l'herbe. Et puis ils viennent tous deux dans une griserie de lumière. Ils sont un tout petit peu manches, mais Claude fait certainement mieux. Enfin, les voilà tous les deux. Vraiment, ils sont un peu manches, mais Claude peut faire certainement mieux. Les voilà tous les deux. Ils sont toujours manches, mais enfin, Claude, ils sont là. Pourquoi ces deux êtres se rapprochent-ils? Il y a un motif. Savez-vous, dit le Créateur, apportez avec vous un sourire et vous verrez bien que chaque chose en est digne. Un sourire éclaire plus que le feu, presque plus. Et l'on fera après vous, dit le Créateur, des pèlerinages sur des lieux qui vous ont vu sourire. Après vous, il y aura des pèlerinages sur tous les lieux, même et surtout sur ceux-là qui n'ont pas pu vous voir sourire après beaucoup de choses. Et puis, ils ont décidé de partir en voyage, à la découverte, disent-ils. Les poissons, quelques-uns de marine, ont décidé, lorsqu'ils ont vu venir sur la mer ces deux êtres, d'aller sur le sable, car ils ne les connaissent pas encore et ils veulent attendre un peu. Le bateau file un bon train, la voile prend le vent et le soleil et la brume, puis tout les suivent partout. Ils doivent être importants, pensent les poissons, et les hommes, dans quelque temps, n'habitent presque plus de maisons. Thank you.
Vous voyez que je ne suis pas encore à la mode électronique et je travaille encore avec de la vieille pellicule, comme on dit. Je suis entouré de pellicules. Il y a beaucoup à dire et rien à dire. Un film, c'est souvent ça. On va remplir son imaginaire avec des images. Je ne sais pas si vous avez pu faire cet enrichissement-là. Peut-être quelqu'un pourrait dire quelque chose à ce sujet. Voilà. Juste une question sur la musique. Comment le choix a été fait, comment est-ce qu'on est arrivé à l'intégrer? Oui. Oui, alors dans tous ces films, bien sûr, il y a donc l'image, il y a aussi donc la partie sonore. Dans ce film-là, il n'y avait personne au fond, ni dans le groupe de musicothérapie, ni dans le groupe lui-même, quelqu'un qui aurait pu faire cette musique-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait venir tout un choix de disques, qu'on appelle des disques commerciaux, et dans mon atelier, on a visionné sans arrêt ce film et les patients ont pu choisir des musiques qui étaient présentées là, bien sûr qu'il y a un choix infini de toutes sortes, et ce sont les patients qui ont choisi certains airs pour certaines plages d'images. Voilà comment pour ce film ça s'est fait. Le film suivant que je vais vous proposer, c'est un patient qui joue la musique lui-même, qui les compose. Voilà un peu comment on travaille. On est obligé de travailler avec les moyens du bord et en fonction des possibilités. D'autres questions? Je vous parle de cinéma d'animation. J'ai trouvé ça formidable quand même que cette technique-là permettait d'entrer en contact avec des personnes avec lesquelles on n'a pas envie de parler. Mais par contre, on est pour faire un film d'animation, et on ne peut pas faire tout seul. Il faut dessiner, il faut découper, il faut animer. Animer, ça veut dire mettre tous ces petits papiers sur une table avec une caméra. Il faut que quelqu'un presse le déclencheur pour une image. Vous savez qu'il faut 24 images pour une seconde. Et quand on est en train de travailler, quelqu'un bouge aussi les images millimètre par millimètre. Et c'est celui qui bouge les images, doit commander la prise de vue. Il dit image. Celui qui est à l'image, il presse sur un bouton. Celui qui s'occupe aussi du scénario doit aussi dire dans quel sens vont les images, et le fait d'être obligé de parler, disons technique, j'appelle ça technique, permet aussi peut-être par la suite de changer quelque chose d'intérieur, et c'est ce qui se passe avec ce technique de cinéma d'animation. Voilà un peu un regard sur cette technique là. J'ai une autre forme de film d'animation à vous présenter, il dure 5 minutes. C'est un film, vous verrez comment c'est, qui fait partie d'un film qu'on n'a pas le droit de montrer pour des questions éthiques, mais qu'on a pu, on a pris certaines, une page de ce film, c'est sur les événements de mai 68, et cette plage est faite en animation. Pour montrer ce que c'est que la difficulté d'être intégré ou de s'intégrer dans un monde, et le monde c'est celui des patients. Je vais vous montrer ce film, 5 minutes. On peut continuer. Thank you.
Je
musique, c'était Pierre. C'est déjà 8 heures, j'aurai encore un film à montrer, si vous avez de la patience. Esprit, es-tu là? C'est d'un monde à l'autre, c'est un film d'animation. Vous voyez que l'animation, il y a beaucoup d'animation, je vais vous dire aussi pourquoi. Parce qu'il y a d'autres films, et peut-être, je demanderai au docteur Gasser qui est là, nous expliquer un peu aussi l'éthique de la clinique, pourquoi certains films ne peuvent pas être montrés. Parfois le public ne comprend pas toujours très bien ceci, mais ce serait intéressant aussi de savoir pourquoi, parce que c'est aussi important de peut-être d'interdire un film. Oui, je crois pas qu'il y ait vraiment de problématique à ne pas montrer de film. Il y a un problème par rapport à la confidentialité, par rapport à la position qu'un certain nombre de personnes qui ont tourné ces films, qui ne désirent pas que ces films puissent être montrés par la suite. Je crois que c'est le seul problématique par rapport au respect des personnes qui ont fait ces films et qui ne désirent pas qu'ils soient montrés. Il y a, en tout cas de mon point de vue, aucun autre problématique. Au contraire, je pense qu'il est extrêmement éthique de les montrer, de les diffuser. Voilà ce que je peux dire du point de vue éthique. Et je tiens aussi beaucoup à vous remercier, enfin, de nous faire le plaisir de pouvoir remontrer ça, de nous expliquer ces trajets que vous avez faits. J'aimerais aussi souligner toute l'importance de votre travail. Je crois que vraiment ces films ont été possibles, bien sûr, grâce aux patients, mais aussi grâce à vous, grâce à votre sensibilité, grâce à votre présence, grâce au fait que vous avez donné toute une possibilité à ces personnes de pouvoir s'exprimer. Et on voit le résultat qui est vraiment extraordinaire. Merci, docteur Gasser. Ce que vient aussi de dire le docteur Gasser aussi prouve aussi qu'il y avait une liberté totale. Et ça, c'était rare, et ça, c'était une caractéristique de cette expérience-là. Parce que même de sortir d'un hôpital, c'était possible d'engager une comédienne pour d'autres films. Par exemple, si vous avez vu le film Bonjour mon œil, où on représente une infirmière comment une infirmière est sentie par un patient. Et bien sûr que, vous pensez bien, quand ce film est sorti, ça a été un peu le holà de la part du personnel infirmier, qui se donne tellement de peine. Et dans ce film, il y a justement une infirmière qui joue un rôle, comment il est ressenti par les patients. Et ça, je trouve que ça, c'était une liberté totale, puisque durant tout le travail du film, il n'y avait aucun contrôle. Et pas de rapport non plus. Et c'est que dans ces conditions-là que l'on peut créer, tout ce qui était dit dans le groupe restait dans le groupe. Pouvait être dit personnellement, disons, dans un travail, disons, médical, mais dans le groupe même, il y avait une... tout restait, à l'intérieur. Ça, c'était une caractéristique assez fantastique. Et vous avez vu aussi dans d'autres films, on a même pu sortir un cheval de l'écurie, amener des pigeons. Enfin, vous avez vu même un animal, c'était un guépard, c'était pas vraiment un... Mais enfin, on a triché un petit peu. Il fallait le trouver quand même. Et mon rôle, c'était ça. C'était d'être, au fond, gestionnaire de choses qu'on me demandait, et j'essayais de trouver une solution. Voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer à ce sujet Juste peut-être encore un mot pour vous dire qu'au fond, cette liberté que vous avez rendue possible était justement là à cause de la sensibilité que vous aviez, hein, qui n'était pas une sensibilité médicale ou psychiatrique, et que vous avez réussi à ce que les personnes qui travaillent avec vous puissent s'exprimer. Hein, cette liberté, elle n'était pas due à autre chose que cette présence, ce cadre que vous avez pu mettre autour de ces personnes, grâce à ce cadre technique, hein, que vous l'avez bien expliqué auparavant, que ces possibilités, au fond, de pouvoir faire quelque chose ensemble étaient extrêmement importantes. Voilà, merci. Alors, vous avez d'autres personnes? Oui.
Bonsoir. Je voulais juste savoir si justement il y avait des diffusions du travail que vous faisiez à l'interne, donc au sein de l'hôpital, et si d'autres personnes qui participaient pas aux ateliers pouvaient voir le résultat de vos travaux, et s'il y avait aussi des diffusions à l'extérieur. Donc vous aviez mentionné cette diffusion dans le cadre d'un ciné-club. Mmh. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et puis, dernière question, à qui appartiennent les films? Est-ce qu'ils sont toujours la propriété de Cerie? Enfin, quel est leur statut, en fait? Oui, trois petites questions. Tout de suite, la dernière, bien sûr. Il y a le droit de production. Ce droit de production appartient à l'hôpital. Et maintenant, justement, c'est mon travail. Maintenant, après, je suis en train de tout déposer ces films-là, parce que je n'ai pas parlé des films documentaires qui ont été tournés. Il y a 28 films en tout qui ont été réalisés dans le Centre d'études de l'expression plastique, qui est dirigé par le docteur Bader. Et tout va être mis en cinémathèque avec celui qui a le droit d'auteur de ces films, c'est la clinique. La deuxième question, c'est si ces films ont été diffusés. Alors, premièrement, dans le cadre de l'hôpital, oui, il y a eu souvent des présentations de ces films-là, avec aussi le public extérieur, et à l'intérieur, au fond, c'était libre, le visionnement était libre à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, alors ça je ne vous en ai pas parlé, mais dans les 10 premières années de la fondation du centre, l'État de Vaud n'a pas voulu financer ce type d'atelier parce que nous occupions que entre 10 ou 20 personnes par film, si vous voulez, alors que les ateliers, le cartonnage, l'osier, etc., exigeaient d'occuper beaucoup de patients. Alors c'était naturellement, le cinéma c'est cher, hein, vous le savez, c'était très cher, et on nous a demandé au docteur Bader et bien sûr la direction de trouver le financement. Le premier film a été acheté par la maison Sandeau, qui a diffusé ce film dans le monde entier. Il y a des versions japonaises, allemandes, françaises, etc. Et il a eu un prix aussi en Italie, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc il y a à peu près une soixantaine de copies qui circulent du premier, du petit film. Et les autres films, Bonjour mon œil a été financé par la maison Roche. D'autres ont été financés par d'autres maisons pharmaceutiques, jusqu'au moment où on n'avait plus eu l'occasion de faire appel à ces maisons-là, et à ce moment-là, l'État de Vaud a financé la production de ces films. Dans les festivals, bien sûr que c'est difficile c'était plus facile de distribuer ces films, les films d'animation. Et les films d'animation, c'est vrai, ils ont fait aussi le tour du monde des festivals d'animation. Et maintenant, au festival d'Annecy, le festival donc d'animation Annecy professionnel, il y a une section qui est réservée aux films de ce type-là, qui ont un impact avec des patients ou avec des hôpitaux qui soignent ou qui font du film de ce type-là. Alors là, on peut dire que ces films sont vus. J'ai répondu à votre question. Merci. Voilà. Autre question? Avant que Pierre ne parte, j'aurais voulu poser une question à lui et à l'autre personne qui a participé à ces films. Excuse-moi, Nag, c'est à eux que je voulais poser une question. Je voulais déjà leur demander qu'est-ce que ça leur a apporté à eux. Je pense surtout au premier film, d'avoir fait ce film. Est-ce que c'était enfin se dire ben, quelqu'un va nous écouter ou va nous comprendre? Enfin, pour moi, ça a soulevé quand même pas mal d'émotions de voir le premier film. Et puis, deuxième question, c'était est-ce que derrière ça, il y avait une pensée de se dire bon, peut-être qu'enfin, on va un peu nous comprendre, on va comprendre un petit peu notre monde, notre façon de vivre. Enfin, c'était ça, ma question. Les deux questions. Alors, c'est plus simple à raconter maintenant qu'autre fois, mais bien sûr, pour nous malades à l'hôpital, c'était vraiment un cauchemar épouvantable, ça fait des années, on ne s'en rend toujours pas assez compte
de la valeur de ces films, parce que nous-mêmes, on était vraiment... C'est pas si vous avez été mis dans des cartons, vous marchez comme ça toute la journée, pendant des semaines et des mois. C'était, pour nous, c'était un exutoire, c'était quelque chose qui nous permettait de vivre notre affaire privée, l'affection dont nous avons besoin d'être compris. Et je dois dire, dans le blindage avec M. Anstol, c'est quelqu'un qui nous a justement saisi, mais juste, il a osé. Je crois avoir entendu qu'il me dit, oh, j'ai rien compris, mais j'ai essayé, j'étais là, il fallait à tout prix que... Et vraiment, pour nous, ça nous a aidés. Moi, bien sûr, ça m'a aidé un peu à écrire, à participer, à apprendre comment faire un scénario, etc. Mais surtout, je dis un petit parenthèse pour la question du matériel, ça c'était sensationnel. Hein, ça nous a beau, moi, ça m'a plu énormément. On travaillait avec des nagras, des machins comme ça. C'était sensationnel. Alors, mais et puis de temps en temps, on demandait des trucs, parce qu'il fallait faire, on est obligé de demander, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ah, il nous faudra des gens, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On peut parler. Mais pour beaucoup de ces petites choses, nous sommes toujours là pour nous aider. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Bref, c'est sous sa houlette. Car c'est un homme de paix, un homme très poétique, et il a sa houlette. Et nous, on sentait bien, moi j'étais pas du tout bien, parce que les médicaments, c'était effroyable. C'est comme si on vous tordait la main de 8h du matin à 8h du soir, des douleurs psychiques effroyables. Mais alors, M. Anstol, j'étais là, samedi matin, c'était les années 60, vous voyez comme le temps passe, samedi matin, on allait chez M. Anstol, chez Nag, et puis on faisait des films. Alors, c'était sensationnel. Ça, c'était vraiment un joli héritage de professeur Muller, et d'avoir mis ça sur pied. C'est vraiment assez extraordinaire. Et vraiment, ça nous donnait une libération. Pouvoir trouver un public. Notre public, eh ben, c'était un peu nous, les gars, les copains, plus ou moins malades, plus ou moins... enfin, avec chacun avec sa mentalité. Alors, bien sûr, on se disait, peut-être on le projettera plus tard, on ne sait pas où, parce que on se rendait parfaitement compte de la différence de public que ça atteindrait, on s'en rendait assez compte, parce que c'était pas justement un film à divertissement, c'était un film pour comprendre les gens qui souffrent, les malades dans une cité puis gâtés. La deuxième... C'était justement, est-ce qu'il y avait, dans votre démarche, l'idée, on va essayer d'exprimer pour que les gens soient vraiment différents. Oui, c'était ça. On avait des choses très spéciales à dire, très spéciales. Là, ce qu'on voit sur dans les films, dans le film là, c'est quand même été travaillé, hein. Ça a été brossé, travaillé, etc. Mais on l'a fait nous-mêmes. On se rendait bien compte qu'un mot a un double sens. Le mot a un double sens, c'est que c'était spécial, c'était du tout spécial ce qu'on faisait là. Mais on faisait, bon, on dirait, peut-être quelqu'un, puis ça nous occupait aussi, parce que samedi, on passait le week-end à l'hôpital. À l'époque, on restait beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Alors, on avait un week-end à passer à l'hôpital, au moins vous avez même si c'était un peu dans la douleur. Mais alors voilà, encore raison de plus pour dire, ok, c'est bon. Tâchez de trouver, mais on sent toujours des salles comme celle-là, parce qu'elles sont très très à l'écoute. Alors ça, c'est bon. Merci Pierre. Voilà. On va passer au bien copain. Oui, passe. Au revoir, Nag. Au revoir, Pierre. Non. Allez, à bientôt. Voilà, alors j'ai peut-être pas vécu exactement la même chose que Pierre, mais ce qui est juste, ce qu'il a dit, c'est que quand on était à l'hôpital, on avait le jugement des autres personnes qui étaient à l'extérieur, c'était assez pénible. Et M. Sorge nous a pris tel qu'on était, sans juger, sans condescendance comme les gens de l'extérieur avaient beaucoup vis-à-vis des gens de l'intérieur. Et ça, c'était très important. On se sentait vraiment nous-mêmes, quoi. Et l'autre question, c'était... Oui, c'était pour montrer un peu ce qu'on pouvait vivre à l'intérieur d'un hôpital.
Je vous en prie. Voilà, on passe d'un monde à l'autre, si vous êtes d'accord. Un instant, juste pour changer de bobine. Gracias.
Thank you.
Vous avez vu là, il y avait un autre groupe, un groupe de musicothérapie, qui a pu illustrer cette bande image. C'était la femme du professeur Muller qui dirigeait ce groupe de musicothérapie. Donc il y avait, on peut dire, là, il y avait une réalisation complète d'un film dans un hôpital psychiatrique. Voilà, j'espère que vous avez passé bien le passage d'un monde à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis là pour vous répondre. Je remercie encore le directeur de m'avoir invité à présenter ces films. Mais vous pouvez bien comprendre que dans une vie qui finit bientôt, un regard en arrière me fait dire que j'aimerais bien continuer.